Bienvenue dans la cuisine, Leila. Aujourd'hui, nous allons faire poutine maï. Et comment se trouver la rabola et la maï. Je vais me tromper pour 10 minutes. Et allez, nous allons se délo. Et nous avons besoin de la poudre de coco. Un petit peu de sucre, un bois de gilet condensé, un petit peu de gilet. Et un petit pincé couleur jaune. Je vais servir un dexi non-stick. Pour comment dire, nous poutine pas tasser. Allez, nous allons faire moyen. Mettez votre gilet. Si vous avez un gilet liquide, comme moi, ici dans le Canada, nous avons un gilet liquide. Alors, vous êtes capable de prendre votre gilet, de les lire dans un petit peu d'eau. Alors, votre gilet condensé. Alors, vous êtes un petit peu de sucre. Premier goût de votre gilet avant. Si vous trouvez mon gilet, gilet condensé, là, pas assez sweet, pas assez doux. Là, vous êtes capable de faire un goût de sucre. Un petit peu de couleur jaune, je n'ai pas besoin de couleur jaune si je n'ai pas intérêt à la couleur jaune parce que la maille qui gagne ici n'est pas la zone là, comme on va voir si tu peux gagner longtemps. Je finis de mettre l'eau de la maille, je mets la maille et là je vais besoin de virer vite vite. Si vous avez une cuillère de bois, je vais virer ou bien si vous avez une batteuse à main, mélangez vite vite pour que je n'aille pas faire boule boule. Et là, j'ai trouvé il y a 20 minutes de cuisson. Je vais faire un chicken. Et j'ai trouvé là les minutes. Laissez cuire pour encore 10 minutes l'eau fait doux. Après, nous pouvons transférer dans nos plateaux. J'ai besoin de bien mettre du beurre dans notre plateau. C'est que je peux mettre notre poutine maille. Allez, là, vous autres. Là, j'ai trouvé que les commences à sauter là. J'ai besoin de faire attention. Viens, viens, vite, 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 vite. Tiens, j'ai du fait. Transférer. Et là, mettre la poudre de coco au lit. Et laisse-les refroidir avant qu'ils aient couplé. J'espère que vous êtes content de ma vidéo. On trouve ça dans l'autre vidéo. Fais-moi connaître dans la comment section qui vous avez envie de trouver, qui recette vous avez envie de trouver. Et ça veut dire, finir de mettre la poudre de coco là. Je pèse les mains là, légèrement avec la main pour que le coco là colle dans la poudine maille là. Et je trouvais un petit peu couleur jaune, si je n'ai pas assez jaune. Il y a une jolie couleur, comment dire, une couleur naturelle des poutine maille. Et pas oublier, like, subscribe et me retrouve après. Bye bye!